4 salons savoyards sans de bon vin de Savoie. Bonjour Alexis. Salut Laurent. Ça y est, c'est reparti comme avant en fait. C'est un vrai salon cette année. Ouais, ça y est, ça fait vraiment plaisir. C'est vrai qu'on a enfin retrouvé un salon sans aucune restriction. On vient vraiment là pour faire déguster, faire découvrir, faire plaisir aux gens. Et les gens sont présents. On voit vraiment qu'ils sont heureux d'être là. Nous, on est heureux de les retrouver. On est heureux de leur faire déguster nos produits, les vins, les fromages. Donc c'est vrai que très content d'être là. Et nos vins, on la cote ? Et nos vins, on la cote. C'est vrai que ça se passe très bien. On avait une équipe de viticulteurs qui était là au début du salon, tout de suite. On a aujourd'hui Pascal qui est là, donc qui prend le relais. Et puis ce sera comme ça tout au long du salon. Donc c'est vrai qu'effectivement, on voit qu'il y a un intérêt. On voit que les gens viennent de plus en plus nombreux, nous parlent de plus en plus de ce qu'ils ont goûté. Donc pas une découverte, mais vraiment ils viennent parce qu'ils connaissent. Donc c'est vrai que ça fait plaisir, ouais. Pascal, toujours fidèle au poste ? Oui, toujours fidèle au poste, avec grand plaisir. Donc comment ça se passe ce salon ? Je vois que ça discute. On rencontre vraiment des personnes de toute la France et de tout âge. Et ce qui me fait plaisir cette année, moi je remarque qu'il y a beaucoup de jeunes qui viennent découvrir nos vins. Et ça c'est positif pour notre avenir. Les bars à vin se sont développés, les planchas, etc. Et les jeunes s'intéressent au vin. C'est justement tout l'enjeu des vins de Savoie, Alexis, c'est de démontrer que ces vins s'adaptent à tous les goûts et, tous les mets. Absolument. C'est vrai que, alors on renie rien, hein. Clairement, un vin de Savoie avec une raclette, avec une fondue, c'est top. Mais aujourd'hui, ça y est, effectivement, on est passé au-delà de ça. On voit vraiment qu'il y a des accords mets et vins qui vont très bien, cuisine du monde, sushi, poisson, viande blanche, etc., escargot. Donc, et c'est vrai que y a toujours eu ça de présent chez les gens. Ils ont toujours aimé accorder des plats avec des vins. Et c'est vrai que certainement qu'ils allaient certainement sur d'autres régions, ils allaient certainement ailleurs. Et là, on voit vraiment que ça y est, cette fois, en vin de Savoie, on a trouvé notre place et on est vraiment présent. On est enfin dépassé, effectivement, que le classique accord vin de Savoie raclette fondue.